Ici on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, gloire à Dieu. Ah, je suis en train de quitter ma chambre d'hôtel et tout, direction l'aéroport. Parce que c'est quand même bien d'être à l'heure. Allons voir comment la journée s'annonce. Je ne sais pas si ma carte va fonctionner. On va faire la même magie qu'hier. En tout cas, ce qui est là, c'est ça. Ouais. Donc là, on lance comme ça, on quitte la chambre. J'ai bien dormi en tout cas. Mais après, comme il était 23h là-bas, petite vue sur nous maintenant. Comme il était 23h là-bas et tout, ça va, j'ai pas foutu trop de gawa dans leur chambre. Ben, on lance. Ah, on a Picasso ici. Yeah. Rue de Monceau, Paris, écoute. Ben, écoute. Ils ont des petits tableaux, des petits jolis tableaux comme ça. Le Danemark, ça a un petit truc un peu vieux jeu. Façon, mais chic, quoi. On aime bien. On aime bien. Ça, c'est un beau tableau, ça. Voilà, voili, voilou, voilà le. Bon, voilà. De sortir de ma chambre. Ok. Je trouve l'endroit un peu très à part. Attendez que je vous montre un peu sur tout leur... Ils ont plein de petits trucs d'art comme ça. Surtout leur ascenseur. Alors là, l'ascenseur, c'est lui qui me dépasse. J'en ai jamais vu des comme ça de toute ma vie. Ça là, c'est l'ascenseur. Comme la porte. On appuie là. Et après, tu ouvres comme ça. Je vais d'abord entrer mes valises. Ok. Voilà. Et là, je vais mettre S. Et ça se ferme. Et voilà. À tout à l'heure. Bon, là, je suis en bas. Je voudrais bien prendre le petit déj avant de partir, mais déjà, on prend le petit déj à emporter parce que j'ai plus beaucoup le temps. En fait, je suis lente à manger anyway, donc je veux pas m'asseoir là et puis je vais faire du gaspillage. Tout ça là, mais le monsieur m'a dit il n'a pas de boîte à emporter, donc j'ai dit bon, c'est pas grave. Je vais directement juste partir à l'aéroport et bouffer là-bas et tout, tu vois. Je sais pas si je vous ai montré un peu le bar hier. Donc là en bas, c'est le bar. Là-bas, c'est la réception et tout. Et là, c'est l'extérieur. Là, c'est l'extérieur. Oh mon Dieu, que ces enfants sont beaux. Ça, c'est le Danemark, les gens. Franchement, hyper galant. Ils sont ici. Au Danemark, hyper galant, il est venu jusque loin là-bas prendre mon sac et tout. Depuis l'aéroport, c'était pareil. Apparemment, les gens font aussi énormément de vélo ici. Ils ont clairement toute une grande route à eux. Rien, en fait. Donc, thank you. Le gars, il voulait venir m'ouvrir la porte. Ça va, bon, je suis pas habitué. Tu me vois là comment? Gangster, laisse tomber. Ouais, ok. On va attaquer la journée, non? Bon, la famille, là, je suis arrivée, voilà. Là, je suis à l'aéroport, je vais lancer là tout de suite. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Regardez-moi ces statuettes, là. C'est bien drôle, hein. Ils en ont pas mal de statuettes, comme ça, j'ai constaté. Je peux pas. Moi, j'ai faim, hein. Franchement, j'ai juste déjà envie d'aller. Je vais pas faire comme à Paris où je suis arrivée exactement à l'heure. J'ai même pas eu le temps d'acheter une bouteille d'eau pour entrer avec dans l'avion, non. Là, je vais à la sécurité. C'est dommage, j'ai des biscuits Nutella que j'ai pris hier. Mais, check-in, backdrop, no.
Oh là, je vais à la sécurité directement. Je sais qu'ils vont me dire que ma bouteille d'eau, mon lot, mon zi, je ne pourrais pas boire mon jus que j'ai. Très bizarre, qu'est-ce qui se passe ici là? Chacun verse, toi tu verses derrière ton eau. C'est-à-dire, quand tu sais que tu dois verser, verse. Verse, parce que ça ne sert à rien, ça n'est pas à pas. Tu as vu. J'ai traîné un peu la famille parce que on a fouillé encore ma petite valise là et tout. Vu qu'ils ont vu de la bouffe dedans, mais c'est en fait le saucisson sec. Donc ils ont dit oui, il y a du salami et tout. Je dis waouh, votre machine elle est performante, dis donc. Yeah. Donc ça m'a pris un petit temps. Et bon, voilà, terminé. Hein. Maintenant je regarde juste. Là où je dois partir, là où mon gate est, et puis je vais prendre la bouffe, c'est ça. La famille, vous me connaissez, oh, là où il y a l'alcool, je suis là. Donc là, il y a des shots gratuits qu'on peut essayer. Je veux goûter. Là, c'est des liqueurs d'ici au Danemark. J'ai goûté pour rien. We can take the shot. Ok. Ouh! Alors, ça sent hyper, super fort. That's nice. C'est un bon goût de café et tout. Je voulais seulement prendre le shot. Là, maintenant, je peux continuer. Tellement envie de manger le croque-monsieur. Je crois que je vais commander. Je vais aller avec ça à mon arrêt. Où je dois prendre, en tout cas je suis à eux, où je dois prendre l'avion, mais je vais prendre un truc là, plus d'alcool, c'est bon là. Mickey Mouse vous mène. Ouais, donc voilà, Vali, hein. J'ai commandé la bouffe, le croque monsieur, maintenant je peux monter, je vais prendre ma bouffe, je vais m'asseoir, tranquille, il fait chaud hein, à l'intérieur. Alors que dehors il fait vraiment froid. Dinguerie. Tout à l'heure j'ai vu de longs escaliers. Je me disais non, je ne vais pas prendre les escaliers avec ma valise et tout pour partir en fait. Mais bon, donc il y avait l'élévateur aussi. On pouvait prendre. Donc là, c'est ici que j'ai commandé mon croque-monsieur. J'attends. J'ai bien envie de prendre une bonne petite coupe de champagne. Je pense que j'ai un peu trop fait avec l'alcool. Là. Je pense que j'ai un peu trop fait. Croque monsieur sur vous maintenant. Bye. Bon, la famille, là, on est en train d'embarquer déjà. Franchement, je suis fatiguée de ouf. Je sens que quand j'entre dans l'avion avant, que ça n'est. Ça ne commence, ça ne décolle quoi. Je serai déjà dans un bon petit sommeil. Bon, la famille, voilà. Là, on est en train de partir. Non, mais quand je vous dis que j'ai sommeil, alors là, j'ai hâte de me poser à la maison. Après que tous les épisodes soient sortis, de vous raconter dans les détails vraiment comment j'ai vécu ce voyage. Parce que du début à la fin. Parce que vraiment. Ça, un escale de 23 heures, guys. Forget about that. Seriously, forget about that. Je vous dirai tout. Comment j'ai eu mon billet d'avion qui était super moins cher, mais le moins cher finalement est cher. En fait, oulala, nous les rientons de la nation qui sont très au fond là, nos couvertures sont un genre. Genre les groupes 1, ils ont un genre de couverture avec un genre d'oreiller. Groupe 2, pareil. Groupe 3, nous autres là. Groupe 4, ouais. Mutuki de la nation. Je m'étais dit que durant tout le trajet, même pas un moment, je m'assois côté hublot quoi. Oh, et ça c'est mon côté phare, j'aime trop.
J'aime trop, franchement, la famille. On se prend tout à l'heure dans l'avion. On y est déjà. Ciao. Bon, la famille, c'est parti. Hein. On va décoller. J'avais déjà commencé à dormir depuis. Je vais juste continuer, en fait. Ça, c'est que j'ai tout ça de libre, donc je pourrais bien tendre mes pieds pour dormir. Bien tendre mes pieds pour dormir maintenant. Là, on a déjà vu nous donner les snacks, juste les snacks pour l'instant. Voilà, voilà, la bouffe est arrivée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça sent bon par contre, ça. Je prie juste que c'est pas la même chose que la dernière fois, pardon. Je prie vraiment que ce soit pas la même chose que la dernière fois. Bon, déjà, on a les légumes, hein. Je crois que c'est. C'est des épinards, moi je sais pas trop c'est quoi. Ah, je vois, ce sont des lasagnes. Ouais. Déjà là, ça c'est ma salle, ma laitue préférée. La laitue en question, c'est ma laitue préférée. Si c'est bien assaisonné, ça peut être bon. Bon, on mange, hein. Ça.
Pareil qu'on s'approche de Iceland. Donc le froid. Température un peu extrême. Pas les choses de la télé sur nous maintenant. Les secousses de ça. Oh Seigneur. Tous les jours, je prends l'avion, mais tous les jours aussi, j'ai peur. Ça me saoule. Je veux déjà arriver chez moi. C'est bon, là. J'en peux plus. Oh. La famille, là, on est à Iceland. C'est beau, hein. On arrive dans 1h20 et là on nous a apporté encore la bouffe, donc un sandwich et puis un peu de jus. Donc là on est en train de passer au Canada. Un bus à peu près, gens qui nous transfèrent et qui nous emmènent du côté où on va prendre nos valises, donc de l'autre côté de l'aéroport et tout. Je suis épuisée, il pleut ici en plus. Bon, on va voir. Là, on vient d'arriver. Il y a encore toute la queue là, c'est pour faire, pour contrôler les passeports. Bon, on contrôle les passeports, j'appelle mon ami Tony, je prie le Seigneur qu'il soit déjà là. Franchement, la famille, je suis paumé, mais oh là là là, on me bloque en fait ici parce que j'ai rapporté le saucisson sec de Paris et on sait pas si c'est faisable ou pas, donc ils ont pris mon passeport, j'attends parce que j'ai ramené le saucisson sec de Paris, celui-là, et vu que c'était dans ma petite carry-on, donc ma petite valise et tout, et j'ai enlevé justement pour mettre dans le sac parce que je me disais que bon, peut-être que je vais manger ça entre temps, et vu que c'est passé, je me suis dit ah ok cool, alors c'est tranquille, mais apparemment non. Je suis fatiguée là, franchement ça me casse les couilles, et mon ami qui est venu me chercher, il est déjà là et tout, oh là là, je suis juste envie d'enlever la perruque là, le chapeau là, tout quoi, franchement. Bon la famille, voilà, je viens d'arriver, hein, complètement dehors. On m'a apporté mes bagages déjà aujourd'hui, cette fois-ci rien n'est cassé. C'est super. C'est le seum. On a pris mon saucisson sec en fait. On a pris mon saucisson sec, mais deux saucissons secs. Ça fait mal dans le cœur. Bon la famille, voilà. Tony est venu me chercher. On y est. Ouh. Il est en train de mettre des sacs dans la valise. J'ai envie de manger un bon ricep, let me tell you. Un ricep. Avec le mouton. Oh, j'ai envie de manger quelque chose de super bon. Voilà Tony qui est venu nous chercher. Tony, is that another car? No. Ah. Just washed. Yeah. Okay. Bon, on s'est dit à plus. La famille Chenier avec Tony, là, on a commandé la bouffe. On a fini un cocktail là tout de suite. Je vous le mets là, 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 quelque part. Bon, on rentre à la maison, c'est bon, on est fatigué. Depuis là, je suis pas encore à la maison, il doit être 20h là. Il est quelle heure? Attendez, je regarde.
Oh, je n'ai pas mangé encore l'heure de la France. What time is it, Tony? 19h56. Bon, la famille, je suis arrivée à la maison. On est là avec Anita. Les bagages sont juste là derrière. Petit muscador sur nous maintenant et tout. On va prendre un petit verre en dehors. J'espère que vous avez aimé le vlog avec moi. Enjoy, franchement, enjoy les épisodes. N'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner, de liker. Je suis épuisée. La journée fut hyper longue. Je suis cassée. J'ai tellement de choses qui m'attendent. C'est incroyable. Incroyable ce qui m'attend. Donc, la famille, on est ensemble. Attends. Tu es pressée. Tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas. Faut partager aussi. Mouah!